cette petite vidéo de 14 secondes que nous vous proposons de regarder maintenant. Ayez le courage, vous tous, de la regarder, de l'écouter, de comprendre ce qu'elle signifie et pourquoi nous vous l'envoyons. C'est pour qu'elle soit diffusée des millions et des centaines de millions de fois si c'est possible. Parce qu'elle illustre ce qui s'est passé le 29 juin dernier. La loi de bioéthique a autorisé par toute la France, la création d'êtres humains par voie de clonage avec mélange de l'animal. Nous appelons ça des chiasmes, des chimères. Eh bien, ceci est l'illustration de 20 ans de travail, de recherche, de discussion en bioéthique, d'états généraux, de centaines de milliers de pages. Et là, je vous propose cette image animée pour remplacer ces centaines de milliers de pages inutiles, parce qu'elle illustre ce qu'est la loi de bioéthique de France. Cette loi de bioéthique, ce qu'elle est, vous l'avez sous vos yeux. Vous l'avez là sous vos yeux. Vous ne pouvez plus dire « Ah, je ne savais pas ce que c'était que la loi de bioéthique. » La loi de bioéthique, c'est cela. C'est le clonage de l'homme. Le clonage de l'homme, avec mélange animal si c'est possible, parce que c'est plus facile de faire de la recherche scientifique. Il n'y a aucun intérêt à la recherche scientifique pour fabriquer ces transgressions, ces êtres purement monstrueux. Je vous engage à prendre conscience que si Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la Genèse, a voulu créer chaque être de vie selon son espèce, il n'est pas supportable, même sur un plan strictement philosophique et métaphysique, il n'est pas supportable que quelques êtres humains complètement cinglés, fous, insensés, diabolisés, sataniques, orgueilleux, hystériques, se proposent de produire en notre nom, dans notre humanité, transgression suprême qui est capable de renverser tous les équilibres et toutes les harmonies de la création entière, puisque la création entière, elle dépend de l'équilibre et de la paix qu'il y a dans l'homme avec Dieu. Cette union adultère ne peut venir que des bâtards. Et qui sont ces bâtards? Ce sont nos rites. Le rite de la messe est un rite bâtard. Les sacrements sont des sacrements bâtards. Nous ne savons plus si ce sont des sacrements qui donnent la grâce ou qui ne la donnent pas. Nous ne savons plus si cette messe donne, nous donne le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ou s'il ne la donne pas.
anything worthy of the fame I've acquired. But instead, I must die. Ces cadavres. Alors, je pense qu'il est au téléphone. Allô ? Oui, allô ? Bonsoir, monsieur l'abbé. Je dis bonsoir parce qu'à Paris, nous sommes. Il est 18h48 et chez vous, il doit être quelque chose comme midi 48, non ? Oui, exactement. C'est ça. Bonsoir, la France. Bonjour, monsieur l'abbé. Vous êtes aux États-Unis. Et voilà, j'explique pourquoi je vous ai appelé. Je vous ai appelé parce que j'ai découvert sur votre site internet, on n'en sort pas, qui s'appelle www.traditionalmass.org, un exposé particulièrement clair d'une chose d'une gravité immense, me semble-t-il. C'est une étude que vous avez faite sur la validité de la consécration des évêques conciliaires depuis 18 juin 68. Et c'est une étude que vous intitulez « Absolutely null and utterly void », c'est-à-dire « absolument nulle et entièrement vaine ». Ce faisant, d'ailleurs, vous reprenez la conclusion anticipée de la bulle apostolique écurier de 1896, de Léon XIII, qui avait sanctionné définitivement l'invalidité des sacres anglicans. Alors on va expliquer pourquoi. Mais la première question que je veux vous poser, c'est celle de votre intention en publiant cette étude. C'est pas par hasard, je suppose, que vous la publiez le jour d'Annonciation, puisqu'elle est datée du 25 mars 2006, et qui est également le jour du 15e anniversaire de la mort de Mgr Lefebvre. Exactement. J'étais ordonné par Mgr Lefebvre, j'étais dans le temps séminariste, aux villes de Milwaukee, en état de Wisconsin, ville dans le Midwest central des États-Unis. Et j'étais petit séminariste là, et après, je suis entré à l'ordre cistercien. J'étais envoyé en Suisse, à l'abbé de Fribourg, au nord de Suisse, et j'ai lu beaucoup de la question de la messe tridentin, et à ce moment-là, il y avait un grand débat dans la presse, c'était dans les années 75, sur le cas de Mgr Lefebvre. Et moi-même, j'étais attiré par les positions de Mgr Lefebvre, et je suis entré le séminaire des Cônes cette année, et je suis allé parler une fois avec Monseigneur sur la question de mes anciennes amies dans le séminaire moderniste, s'il veut travailler avec la fraternité Saint-Pédis. Il m'a expliqué sa position sur la question des ordres conférés dans le nouvel rite. Alors, quelle était cette position à l'époque de Monseigneur Lefebvre? Oui, Monseigneur Lefebvre m'a dit que on a supprimé quelque chose pour la prêtrise, et donc c'est de dose. Et il m'a expliqué pour les consécrations épiscopales, c'est tout à fait invalide parce qu'on a changé la forme sacramentale. Et moi, j'étais choqué d'avoir entendu une telle chose. Est-ce que la position de Mgr Lefebvre sur la question de la validité de ces consécrations a évolué par la suite et dans quel sens? Excusez-moi. Est-ce que sa position s'est modifiée par la suite ou est-ce qu'il est toujours resté? Après quelques années, il a modifié, je crois, sa position. Dans les années 80, je crois qu'il est entré dans les négociations avec le Vatican. Et il a changé sa position un peu, en disant que apparemment, ça vient de la
de rites orientaux, et donc elles sont valides. C'est ça. L'argument d'ailleurs des défenseurs de la validité, c'est de dire que le rituel conciliaire a repris des éléments de rituels beaucoup plus anciens qui étaient des rituels orientaux, et que ça leur confère, ça confère donc à cette consécration la même validité. Ça, c'est la position actuelle des conciliaires. Hein. Oui, c'est tout à fait faux, parce que je fais une comparaison entre la nouvelle forme de la consécration épiscopale et les rites orientaux. Et il y a quelque chose en commun, mais ils ne sont pas la même chose. Alors ça, on va y venir tout à l'heure. Un peu plus tard, ce que je voudrais préciser d'abord, c'est que selon la bonne vieille formule « d'où parlez-vous », qui est une formule trotskiste, si je ne m'abuse, mon cher Patrick Goffman. Intégralement marxiste. Intégralement marxiste. D'où parlez-vous? Alors, je voudrais dire que vous parlez en tant qu'enseignant de théologie et de liturgie catholique au séminaire de la Très Sainte Trinité de Brooksville en Floride, que vous êtes prêtre, théologien et liturgiste. Et que par conséquent, vous êtes fondé à avoir un regard et une opinion, pardonnez-moi l'expression, professionnelle sur ces questions. Ah oui. Donc, je voudrais vous demander de rappeler pour les auditeurs brièvement ce qui fait un sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement ? Il faut avoir pour un sacrement la matière et la forme. Et la forme, c'est-à-dire la formule essentielle. Et pour le sacrement de l'ordre, Pie XII a expliqué qu'il faut avoir deux choses dans la forme sacramentale. C'est-à-dire la grâce du Saint-Esprit et le potestas ordinis, c'est-à-dire les pouvoirs d'ordre. D'ordre conféré. Ces deux choses sont requises. Si on enlève le potestas ordinis, on change la forme dans la substance de la forme. Et la forme, ne dit pas la même chose. Et donc, la conséquence et la forme est invalide. Mais, pardonnez-moi de ma question, il y a une question de Béotien, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que si la forme devient invalide par la maladresse ou par la mauvaise volonté du célébrant ou de la personne qui ordonne, la bonne foi de celui qui reçoit le sacrement, est-ce que ça n'engage pas dans la voie de ce qu'on appelle l'ecclésia souplette? Est-ce que le Saint-Esprit ne supplée pas en quelque sorte à l'absence de célébrants? L'Église ne peut pas supplier le manque d'une chose essentielle dans la foi, parce que c'est requis. Il y a des choses dans la forme pour le baptême qui sont requises. Et si on omet le mot, par exemple, baptise, dans la forme de le baptisme, l'intention de célébrant n'a rien à faire. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, que c'est du même ordre que la validité de certaines certaines messes qu'on a pendant un moment en Afrique, on voulait faire de l'acculturation et on célébrait une imitation de messe avec du vin de palme et du fruit de l'arbre à pain, et moi j'ai toujours appris que ça, donc c'était pas une messe, quoi, tout simplement. C'est du même ordre, alors? À peu près le même ordre. Mais là, on a changé la matière, et ici, avec la consécration épiscopale, on a changé la forme. Oui. Alors, quelles sont les conséquences de ce changement de forme? Bon, c'est naturellement l'invalidité de sacramentelle, mais quelles sont les conséquences de l'invalidité sacramentelle dans la consécration d'un évêque? Tous les sacrements qui dépendent de le caractère sacerdotal deviendront donc invalides, parce que c'est-à-dire la messe, les absoudres, l'extrême onction, etc. Parce que ces sacrements dépendent sur la validité de l'ordination sacerdotale qui vient d'un évêque, d'un vrai évêque.
Donc ça veut dire que si l'évêque est invalide, tous les actes qu'il accomplit dans son ministère deviennent invalides. Oui, dans son ministère sacerdotal. Oui, sacerdotal. Hein. Sacramental. C'est-à-dire que s'il donne l'ordre, par exemple, à quelqu'un, la personne en question n'est pas prêtre. Oui, exactement. Malheureusement. Oui, ce sont les conséquences. Ça, c'est une modification qui date de quand précisément? De 1968. 1968. Oui, Paul VI a changé, le pontifical romain. Il a modifié la formule pour l'ordination sacerdotale, un peu la supprimer un mot. Et pour la consécration épiscopale, il a tout à fait changé la forme essentielle. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le mot qui a été changé, en quoi la modification devient manifeste pour quelqu'un qui assiste à une ordination, oui, ou à un sacre d'évêque? C'est-à-dire, dans l'ancienne forme a exprimé deux choses très nettement, très clairement, la grâce du Saint-Esprit et la plénitude de la sacerdoce. Et la nouvelle forme exprime dans un sens la grâce du Saint-Esprit, mais elle n'exprime pas le pouvoir de l'évêque, le potestas ordinis. On a utilisé un mot, expression en latin, spiritus principalis. Et c'est le mot essentiel dans la forme. Et j'ai fait une petite étude sur la question de la signification de cette expression spiritus principalis. Et j'ai découvert qu'il y a une bonne douzaine des significations de ce mot. Mais parmi ces significations, on ne peut pas trouver l'idée de la potestas ordinis d'un évêque. Et donc, on a enlevé tout à fait de la nouvelle forme le concept de la plénitude de la sacerdoce. Et c'est disparu. Est-ce que ça peut être expliqué par une maladresse de traduction, ou est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui procède d'une volonté claire de modifier la forme du sacrement? À mon avis, c'est le deuxième cas, parce que les hommes qui ont travaillé avec le nouvel rite de consécration épiscopale étaient des vrais modernistes, dont, à mon avis, Don Bott, Lécuyer, etc. Je crois qu'ils avaient une théologie tout à fait moderniste. Et puis, pour eux, Nous ne vous entendons plus là. Oui. Donc, parce que je crois que c'est fait exprès. Vous parlez de l'abbé Bott, mais l'abbé Bott, justement, est celui qui a argumenté sur la base du précédent des liturgies orientales, coptes, syriennes, occidentales, etc., et qui dit, mais le nouveau rituel, en fait, n'est pas un nouveau rituel, c'est un emprunt qui fait un rituel beaucoup plus ancien et qui est le rituel oriental. Et vous nous dites, non, ça n'est pas vrai. Et alors cette position, je dois dire, la position de Bott a été défendue récemment dans un article publié par le Sel de la Terre. Oui. Je crois, le frère Marie-Pierre. Oui. Qui a donc exactement la même position que Bott. Et vous dites, non, le rituel ancien n'est pas conforme, le rituel moderne n'est pas conforme au rituel oriental. Non, parce que le Don Bott, lui-même, il a fait une étude des rites orientaux, et il a identifié une forme tout à fait différente dans le rite syrien dans le rite maronite, pour la consécration épiscopale, une formule tout à fait différente. Ce qu'il a fait, Bott a pris
la nouvelle forme pour la consécration épiscopale, son œuvre de reconstitution d'une œuvre d'Hippolyte. Et c'est une reconstitution. C'est tout à fait une reconstitution. C'est pas un vrai rite, un usage dans l'Église catholique approuvé par les papes. C'est une création savante de Dom Bott. Mais alors votre étude dans ces enfin c'est quelque chose de totalement effrayant parce que ce que vous affirmez vous c'est que dans l'état actuel des choses tous les évêques qui ont été sacrés selon le rituel nouveau le rituel conciliaire à partir du 18 juin 68 oui. Ne sont pas des évêques. Oui, malheureusement. Et donc tous les prêtres qu'ils ont ordonnés ne sont pas des prêtres. Oui, malheureusement. C'est la conséquence. Si on applique les principes théologiques très très clairs, Pie XII a énoncé dans son encyclique Sacramentum Ordinis, c'est très très clair. À votre avis, est-ce que vous avez une idée du nombre, selon votre analyse, hein, si on accepte votre position, votre examen de la question, combien reste-t-il d'évêques validement consacrés dans le monde aujourd'hui? Parce que 68, ça fait 40 ans bientôt, oui. On n'est pas consacré évêque avant 40 ans, il n'y a pas beaucoup d'évêques de moins de 40 ans, donc ça veut dire que c'est des évêques de 80 ans. Quoi. Moi, je ne sais pas l'exact de numéro, mais en tout cas, on n'a pas changé le rite pour la consécration, pas changé beaucoup dans des rites orientaux. Donc, ce que je dis applique seulement le rite romain. Oui. Et ça veut dire également que les évêques de la fraternité Saint-Pédis, alors Mgr Follet, Mgr Williamson, Mgr de Galaretta et Mgr Tissier de Malaret, eux sont validement consacrés. Oui, il n'y a pas de question. Oui. Et donc les prêtres qu'ils ont ordonnés sont validement ordonnés. Oui. Il fait des ordonnations vraiment valides, etc. C'est Monseigneur Lefebvre qui a vraiment sauvé le sacerdoce dans ce sens-là. Oui, alors là, c'est effectivement, encore une fois, si on retient votre position, c'est providentiel, c'est plus que providentiel l'intervention de Monseigneur Lefebvre. Oui, oui. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que votre position ne semble pas convaincre les prêtres et les évêques de la fraternité. Vous avez une raison, vous avez une explication à leur réserve? Non, c'est bien possible qu'il n'y ait pas beaucoup de prêtres de la fraternité qui ont vu mon petite étude. C'est une nouvelle publiée. Pourtant, elle est publiée, cette étude, donc chez vous, en anglais. Donc, j'ai donné l'adresse internet, c'est traditionnalmas.org. Elle est publiée également en français. Il y a une traduction qui a été faite, qui est excellente, je le signale d'ailleurs, sur... comment s'appelle ce site, monsieur l'abbé Sécal? Voilà, roresanctifica.com, non? Oui. roresanctifica.com, où il y a le texte en français. Oui. Et j'invite les auditeurs que ce sujet intéresse, et comment n'intéresserait-il pas à se reporter à ce site roresanctifica.com où ils auront une excellente traduction de votre travail de façon tout à fait très facilement accessible. Et une question encore, monsieur l'abbé Sécada, quels sont les sacrements qui, si j'ose dire, passent au travers, si je peux m'exprimer d'une façon aussi triviale? Quels sont les sacrements qui restent valides? Bon, il y a le baptême et le mariage, puisque ce sont des sacrements. Le mariage, effectivement. Mm-hmm. Le mariage. Mais, par exemple, dans le cas de du sacrement de pénitence, enfin de la confession, donc, moi j'ai toujours entendu dire que si on se confesse à quelqu'un qui n'est pas validement prêtre, mais si on le fait avec la sincérité du cœur, on est en quelque sorte absous, non? Il est nécessaire d'avoir le bon Dieu peut
peut bien faire des autres provisions pour vous, mais la théologie de l'Église requise qu'il faut avoir un prêtre validement ordonné pour vous donner l'absoudre. C'est assez effrayant ce que vous nous expliquez là, je trouve. Est-ce qu'il ne nous reste plus qu'à nous abriter de la phrase de l'Écriture qui dit « les portes de l'enfer ne prévaudront pas », mais comment pourrait-elle ne pas prévaloir dans une situation pareille? Pardon? Comment peut-on encore croire que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir, puisque on va se retrouver dans une situation où il n'y aura plus d'évêques, il n'y aura plus de prêtres On dit assez souvent qu'en effet, l'Église est un peu éclipsée, hein? Mm-hmm. Mais ce sont les conséquences de Concile Vatican II, toutes ces conséquences horribles qui ont suivi le deuxième Concile du Vatican. C'est vraiment horrible de vivre dans ce temps. Est-ce que vous avez fait des propositions ou reçu des propositions de la part de prêtres, je pense au frère Pierre-Marie ou au Dominicain d'Avrier ou à d'autres, des propositions de disputation sur cette affaire? Non, pas encore. Pas encore. Non. Mais vous seriez disposé à débattre, j'imagine, de cette question? Oui, je crois que je suis toujours disponible. Je préfère des articles. Oui, bien sûr, ça peut être une... Les questions sont vraiment compliquées, toutes les questions des rites orientaux, etc. Monsieur l'abbé, je vous remercie. On va faire une chose, si vous le voulez bien. On a des questions, mais bon, on ne va pas pouvoir répondre ce genre, parce que, comme vous le dites, ce sont des questions extrêmement complexes. Moi, ce que je vais proposer à nos auditeurs qui s'intéressent à ces questions, c'est de m'écrire, s'ils ont des questions à vous poser, s'ils ont des arguments à faire valoir, de me les envoyer. Je vous les ferai parvenir aux États-Unis. Okay. Et puis, je vous réinviterai à cette antenne pour que vous puissiez répondre et approfondir cette question. Oui, d'accord. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'abbé, et gardez-nous dans vos prières. Oui, merci pour votre patience avec mon français. Non, votre français est parfait. Puis, vous savez, en temps de guerre, on ne s'occupe pas trop de l'accent des gens qui combattent dans le bon combat. Le latin avec l'accent américain plus une touche d'accent suisse, c'est délicieux. Okay. Merci, monsieur l'abbé. À bientôt. À bientôt, merci.
giustifica è Gesù Cristo. Qui sortent des séminaires ne savent plus eux-mêmes ce qu'ils sont. C'était le cardinal Cincinnati qui à Rome disait « Pourquoi il n'y a plus de vocation ? Parce que l'Église ne sait plus ce qu'est un prêtre. » Alors, comment peut-elle former encore des prêtres si elle ne sait plus ce que c'est qu'un prêtre ? Les prêtres qui sortent des séminaires sont des prêtres bâtards. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont faits pour monter à l'autel, pour offrir le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et pour donner Jésus-Christ aux âmes. Et appeler les âmes à Jésus-Christ. Thank you.
Mouais. 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 Mouais.